Nous allons prendre Zacharie 14. Zacharie 14, 9. Zacharie 14, 9. Zacharie 14, le verset 9. Nous allons consulter ce verset. Nous avons quelque chose là-dedans, très important à examiner. Zacharie 14, verset 9, il dit, l'Éternel sera roi de toute la terre. En ce jour-là, l'Éternel sera le seul Éternel. Alors, le texte nous a dit que l'Éternel sera le seul Éternel. À ne pas oublier que Ésaïe 9:5 nous a dit que Jésus-Christ est le Père éternel. Alors là, si je comprends bien, si l'Éternel n'est pas Jésus-Christ, c'est qu'on aura deux éternels. Deux rois éternels et deux pères éternels. Parce que Jésus-Christ est roi éternel. Jésus-Christ est Père éternel. Vous comprenez ceci? Alors, par là, nous, la parole de Dieu nous a dit que l'Éternel sera le seul éternel. Mais nous savons que Jésus-Christ est le seul éternel. Hein? Et son nom sera le seul nom. Mais qui est le seul nom? Hein? Le seul nom qui a été donné sur la terre, c'est quel nom? C'est Jésus-Christ. Mais pourtant, on dit que c'est le nom de l'Éternel. Hein? Le nom de l'Éternel. Donc, lorsque Jésus-Christ dit dans Jean 17, « Père, glorifie ton nom, afin que, hein, afin qu'on te glorifie. » Alors, nous savons le nom du Père. Hein? Nous connaissons le nom du Père. Je vous avais montré cela. Parce que n'oubliez pas, ce sujet a pour centre ou bien base, c'est Matthieu 28, 19. Hein? Nous avions débuté ce sujet à partir de Matthieu 28, le verset 19. C'est, l'objectif, c'était de trouver le nom du Père, le nom du Fils et le nom du Saint-Esprit. Et de aussi trouver... Est-ce qu'il y avait trois personnes hostiles ou est-ce que la Trinité existait dans la Bible? Comme je vous dis souvent, que la Trinité est une doctrine diabolique. Une doctrine blasphématoirement abominable. Disant qu'il y a trois dieux. Disant que vous priez trois dieux. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. C'est que vous déclarez clairement que vous êtes idolâtre. Comme l'apôtre Jean disait, vous n'avez pas gardé cet avertissement. Hein? Vous n'avez pas gardé cette mise en garde. Que lorsqu'il disait, petits enfants, 1 Jean 5, 21, gardez-vous des idoles. Car c'est Jésus-Christ qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Hein? C'est Jésus-Christ qui est... Hein, le Dieu véritable et la vie éternelle, petits enfants, gardez-vous des idoles. Or, vous adorez des idoles qui n'est pas le Dieu véritable, Jésus-Christ de Nazareth. Alors, là, nous découvrons vraiment dans ce chapitre 14 de Zacharie, le verset 9, que l'Éternel sera le seul roi de toute la terre. Et l'Éternel sera le seul éternel. Ça veut dire que Jésus-Christ ne sera plus. Si Jésus-Christ n'est pas éternel, bien entendu. Et si Jésus-Christ n'est pas éternel, il doit disparaître. On est clair, parce qu'il n'est pas le Créateur. D'accord. Comme dit la parole, on va constater le texte qui a déclaré ceci clairement dans la parole. Jérémie 10, le verset 10, 11, 12. Jérémie 10, le verset 10, 11, 12. Parce qu'il faut que nous puissions constater et comprendre qui est vraiment le Créateur. Et de savoir que celui qui n'est pas le Créateur, cela veut dire le Dieu Tout-Puissant, le Dieu véritable, il devra disparaître. Un trait. Et c'est la parole qui le déclare, hein? C'est la parole qui le déclare clairement. Le verset 10, Jérémie 10. Jérémie 10, le verset 10. Il dit, mais l'Éternel est Dieu en vérité. Il est un Dieu vivant et un roi éternel. La terre tremble devant sa colère et les nations ne supportent pas sa fureur. Vous le parlerez ainsi. Deux points. Regardez dans votre Bible, le verset 11, Jérémie 10. Les dieux qui n'ont point fait les cieux
et la terre disparaîtront de la terre et de dessous les cieux. Qui va disparaître? Hein? Ce sont les dieux qui se donnent pour Dieu, qui n'ont pas créé la terre et les cieux, qui vont disparaître. Ils vont disparaître de dessous de la terre. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas créé le ciel et la terre. Car l'Éternel, lui, il a créé le ciel et la terre. Il est le créateur. Hein? Le verset 12, il dit, il a créé la terre par sa puissance. Voilà pourquoi il est le seul roi et le seul éternel. Et qu'il est un Dieu vivant. Il a fondé le monde par sa sagesse. C'est lui qui a fondé le monde. Il a étendu les cieux par son intelligence. C'est lui qui a étendu les cieux par son intelligence. Alors, pour la société, si vraiment Jésus-Christ n'est pas le Dieu véritable, je veux que vous le dites et que vous le confessiez que Jésus-Christ va disparaître parce qu'il n'est pas le Créateur. Regardez bien Jérémie 10, verset 10, 11, 12. On est clair sur là-dessus. Jésus-Christ n'est pas le Créateur, il va disparaître, c'est évident, puisqu'il n'est pas le Créateur, il doit disparaître. Mais si c'est lui qui est le Créateur, alors on va voir hein, s'il n'est pas le Créateur, bien entendu. Hein? On va voir aussi si la Bible a déclaré qu'il va disparaître. Parce que si Jésus-Christ va disparaître, c'est la Bible qui va nous dire s'il va disparaître pour de vrai. S'il n'est pas le Créateur, c'est la Bible qui doit nous dire que Jésus-Christ n'est pas le Créateur. On est clair, parce qu'on doit prouver tout selon les Écritures. Je vous le dis souvent, quand vous entendez les gens qui vous disent « je pense que, je crois que », dites-leur, gardez vos « je pense que, je crois que » pour vous. Gardez vos « mais » pour vous. Je n'ai pas besoin de savoir ou de connaître vos pensées. Ça ne m'intéresse pas de savoir ce que vous pensez ou ce que vous croyez. Ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est ce que dit la Bible. Oh, on vous a questionné sur la parole de Dieu. Jésus-Christ va-t-il disparaître? Vous allez me dire, je pense que, je crois que. Vous devez prendre la Bible pour me montrer, est-ce que la Bible a déclaré que Jésus-Christ va disparaître? Amen. Est-ce que la Bible a déclaré que Jésus-Christ va disparaître parce qu'il n'est pas le Créateur? Comme vous le prétendez qu'il n'est pas le Créateur, si c'est vrai qu'il n'est pas le Créateur, est-ce que la Bible a dit qu'il va disparaître? Et maintenant, ce que nous allons voir, est-ce que Jésus-Christ n'est pas le Créateur et est-ce que Jésus-Christ va disparaître? On va voir cela. Alors, on y va dans Hébreux. Hébreux chapitre 1, Hébreux 1, Hébreux 1, le verset 10. Alors, déjà, avant d'arriver dans le verset 10, nous devons vraiment comparer ces textes que nous venons de lire. Nous venons de lire que l'Éternel est le seul éternel, le seul roi de toute la terre, selon Zacharie 14, 9. D'accord? Alors maintenant, ce que nous devons voir, c'est de voir et de comprendre. Hein? Peut-on avoir deux dieux ou deux rois éternels? Et si nous avons deux dieux, deux rois éternels, c'est qu'il y a un problème. Et je ne crois pas, et vous non plus, vous ne le croyez pas, qu'Israël croit qu'il y a deux dieux. Israël croit dans un seul et seul Dieu unique. Parce que il a été dit, écoute Israël, l'Éternel, notre Dieu, est le seul éternel. Or, on m'a dit que Jésus-Christ est le Père éternel. On dit, il y a un autre éternel, puisque Jésus-Christ n'est pas le seul éternel. Et maintenant, nous allons voir dans Hébreux, en Hébreux 1, le verset 8 à 11. Hébreux 1, verset 8 à 11. Le verset 8, Hébreux 1. Le verset 8, Hébreux 1. Mais il a dit au Fils qui n'est pas le Père selon vous, mais pas selon l'Évangile, bien entendu. Selon vous. Il a dit au Fils qui n'est pas le Père selon vous, ton trône, ô Dieu,
Et j'aime tellement ces versets dans ce chapitre premier de Hébreux. Quand il dit ton trône, ô Dieu. Il dit là, c'est le grec, ô Théos. Hein? Le Dieu véritable. Hein? Ô Théos, ton trône, ô Théos, est éternel. Il n'y a d'autre trône éternel que le trône du roi, hein? Le créateur. Il n'y a d'autre trône éternel que lui. Mais là, le texte m'a dit qu'il s'adresse à qui? Au Fils. En disant, Fils, Fils, ton trône est éternel. Ô Dieu. Cela veut dire que celui qui est le Créateur, qui n'est pas Jésus-Christ, s'adresse à Jésus-Christ en disant à Jésus-Christ, Jésus-Christ. Ô Dieu Jésus-Christ, hein? Ô Dieu Jésus-Christ, ton trône est éternel. Alors, c'est que Jésus-Christ a trouvé cet hommage. Hein? Il a trouvé cet éloge, ce privilège, hein? Cette élévation, hein? Cette admiration de quelqu'un qui est le Créateur et le seul roi de toute la terre, il a trouvé cet hommage à lui en disant, ton trône, ô Dieu. Il déclare que Jésus-Christ a un trône et que ce trône est éternel. Et celui qui a un trône est un roi. Et nous savons, un roi ne peut pas se courber devant un autre roi. Et c'est pourquoi quand je regarde dans le bouquet des témoins de Jéhovah, là, hein, j'ai une Bible des témoins de Jéhovah, et ça c'est une version corrigée de 1995, hein, révisée en 1995, d'abord, traduit d'après l'édition anglaise, révisée de 1984, on s'est constamment référé aux langues d'origine, l'hébreu, l'araméen et le grec. Édition révisée de 1995 de Témoins de Jéhovah. Alors, ici, ils ont écrit en verset de Ésaïe 65, verset 13 et verset 17. Il dit, voici ce qu'a dit le souverain Seigneur Jéhovah. Alors, n'oubliez pas, je vous avais dit dernièrement que les Témoins de Jéhovah ne croient pas que Jéhovah est Seigneur. Ils disent que Jéhovah n'est pas Seigneur. Et c'est pourquoi ils tournent. Partout où ils écrivent Seigneur dans la Bible, on chante Seigneur par le mot Jéhovah. Quand on dit le Seigneur Dieu, on met hein, Jéhovah Dieu. Alors là, quand j'ai trouvé cette Bible, parce que j'ai deux Bibles des témoins de Jéhovah. Alors quand j'ai trouvé cette Bible, je l'ai pris. Pourquoi? Parce que je vois qu'ils ont écrit ici là, le souverain Seigneur Jéhovah. Alors, le mot souverain dans le verset, c'est eux qui ont mis ce mot souverain pour différencier Jésus-Christ et l'Éternel, pour montrer que ce n'est pas le même. C'est juste pour faire une différence qu'ils ont mis souverain. Mais ils mettent que le Seigneur Jéhovah. Il dit, pour savoir, quand je vous ai dit qu'ils ne savent pas ce qu'ils disent, ils ne savent pas ce qu'ils affirment. Parce qu'ils appellent ici, là, le Seigneur Jéhovah. Alors, pourquoi est-ce qu'ils ont modifié le texte de Ésaïe 6, le verset 1er? Quand le texte a dit, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé. Et le pan de son robe, hein, les pans de sa robe remplissaient le temple. Mais ils ont changé le mot Seigneur en disant, je vis Jéhovah. Mais le texte a dit, le Seigneur. Le Seigneur, c'est pour dire que Jésus-Christ n'a pas un trône. Puisque pour eux, Jésus-Christ est roi en 1914. Hein, Jésus-Christ a environ 100 ans depuis qu'il était roi. Alors pourtant, ce n'est pas le cas. Puisque dans le texte que nous venons de lire, dans Hébreux 1, le verset 8, on nous a déclaré clairement que Jésus-Christ est roi. Hébreux 1, 8, Jésus-Christ est roi et que son trône est éternel. Et moi, je ne connais aucun autre roi que celui qui est roi et que son trône est éternel, Jésus-Christ de Nazareth. Il n'y en a pas un autre. Alors, nous allons continuer. Hein? Le verset 8, Hébreux 1. Ton trône, ô Dieu, est éternel.
Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Hein? Le sceptre de ton règne, hein, est un sceptre d'équité. Tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi, ô Dieu, le verset 9, ô Dieu, ô Théos, le Dieu véritable, bien entendu, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie, hein, au-dessus de tes égaux. Hein? Ô Dieu. Alors, nous savons que Jésus-Christ est Dieu. La Bible a déclaré que Jésus-Christ est Dieu. Et nous savons qu'il n'y a pas de Dieu. Il y a un seul. C'est lui qui est le roi. C'est lui qui est le créateur. C'est lui qui est le Seigneur des Seigneurs. On est clair. Bon, le verset 10. Je vous avais dit qu'on devait voir, est-ce que la Bible a exclu Jésus-Christ en tant que Dieu? Est-ce que la Bible a exclu Jésus-Christ en tant que celui qui n'est pas le créateur? Si Jésus-Christ se prenne pour Dieu et qu'il n'est pas le créateur, il va disparaître selon Jérémie 10, le verset 10, 11, 12. Mais c'est la Bible qui va nous déclarer, est-il le créateur vraiment ou est-il le Dieu véritable? Regardons dans le verset 10 maintenant, verset 10, 11, Hébreux 1. Il est écrit, et encore, deux points, toi, Seigneur, tu as au commencement fondé la terre. Hein? Qui? Et encore toi, Seigneur, tu as au commencement fondé la terre. Hein? C'est le Créateur qui continue. Hein? Il continue à parler, à s'adresser au Créateur. Le Créateur parle au Créateur. Quand je vous avais dit cela, hein, beaucoup de gens avaient été choqués. Beaucoup de gens avaient été tremblés par cette parole en disant que le Créateur s'exprime à lui-même. Quand il dit « Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Il s'exprime à lui-même. Il s'exprime à lui-même. Il s'exprime dans son humanité à lui-même en tant que Père dans sa transcendancité. Parce qu'il est dans l'immanence et s'exprime à sa transcendance en tant que Dieu et Père sur toute la terre. Alors, je ne sais pas si tout cela n'est pas trop fort pour vous, mais essayez de comprendre selon les textes de Hébreux 1, le verset 10, 8, 9, 10, 11. Hein? Parce que c'est Dieu qui parle. C'est le Créateur qui s'exprime, qui dit, et encore toi, Seigneur. Hein? Tu as au commencement fondé la terre. Mais qui a fondé la terre? C'est le Dieu Tout-Puissant. C'est le Créateur qui a fondé la terre. Hein? Et il continue pour dire, et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. Hein? Les cieux sont l'ouvrage de mains de qui? C'est de l'Éternel, n'est-ce pas, chers téléspectateurs? C'est de l'Éternel. Hein? L'Évangile. Hein? Comme dit apôtre Pierre, si vous avez goûté que le Seigneur est bon, approchez-vous. Approchez-vous. Cette parole, cet évangile puissant que vous avez besoin d'entendre, de comprendre, de marcher dans cette parole, de savoir qu'il y a un seul vrai Dieu. C'est Jésus-Christ de Nazareth qu'il est. Jésus-Christ, il est clair en disant, vous mourrez dans vos péchés si vous ne croyez pas ce que je suis. Hein? Et encore toi, Seigneur, tu as au commencement fondé la terre. Alors, par là, nous avons un indice de savoir que Jésus-Christ ne va pas disparaître de la terre et des dessus des cieux. Pourquoi? Parce que le texte m'a dit ici là que Jésus-Christ a fondé la terre. Et il a fondé la terre quand? Au commencement. Au commencement, il a fondé la terre. Il a été au commencement. Hein? En sachant que Dieu a été seul. Hein? Alors, si Jésus-Christ n'est pas le Dieu véritable, il est qui? Et si Jésus-Christ ne peut pas être le Créateur s'il n'est pas le Dieu véritable? Hein? Alors ici, on dit tu as au commencement fondé de la terre, Jésus-Christ, et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. C'est toi qui as créé les cieux, Jésus. Hein? C'est toi qui as créé les cieux. Alors, maintenant, nous savons maintenant que Jésus-Christ est le Créateur. Hein? Clairement, nous avons un indice qu'il ne va pas, il ne va pas être disparaître. Mais est-ce que la Bible nous l'a déclaré? La Bible ne nous a pas encore déclaré cela. Alors regardons bien maintenant pour voir où est-ce que la Bible a déclaré cela. Le verset 11. Le verset 11 a dit, ils périront, mais tu subsistes. Hein? Écoutez, oui. Seigneur, toutes ces choses que tu as créées périront, mais toi tu subsistes.
ils vieilliront tous comme un vêtement. Le verset 12. Tu les rouleras comme un manteau et ils seront changés. Mais toi, tu restes le même et tes années ne finiront point. Les années de qui? Les années de Jésus-Christ de Nazareth. Hein? Tes années ne finiront point. Les années de qui ne finiront point? Les années de Dieu, Dieu seul. Et déjà, Dieu avait déclaré dans le verset 8, hein? Ton trône est éternel. Si le trône du roi est éternel, c'est que le roi est éternel. Et si le roi est Dieu, c'est que le roi est éternel. Si le roi est Dieu, c'est que le roi est le créateur. Parce qu'on a un seul créateur. Regardez bien, je vais vous lire un texte, un verset. Prenons ensemble 1 Corinthiens 8, 1 Corinthiens 8, 6. 1 Corinthiens 8, 6. Vous allez voir qui est le Père, en sachant que Ésaïe 9, 5 dit Jésus-Christ est le Père éternel. Hein? Et 1 Corinthiens 8, 1 Corinthiens 8, 6. 1 Corinthiens 8, 6. Regardez bien dans votre Bible. 1 Corinthiens 8, 6. 1 Corinthiens 8, le verset 6. Regardez bien. OK? Le verset 6. 1 Corinthiens 8. Néanmoins, pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu. Un seul Dieu. Alors, si la société a déclaré dans sa Bible, dans Jean 1er, hein, en disant que qu'il était un Dieu avec un article indéfini devant le nom. Hein? Un Dieu. Alors, on est clair par ici que la société, hein, cette organisation est une organisation idolâtre, une organisation abominable, parce que il déclare qu'il y a un autre qui s'appelle Dieu et qui n'est pas le créateur. On dit tous ceux qui s'appellent Dieu et qui n'est pas le créateur vont disparaître. Alors eux, ils déclarent qu'il y a un autre qui n'est pas le créateur mais qui est Dieu. Alors ça, c'est une parole, c'est une phrase, c'est une modification, c'est une falsification abominable. Alors regardez ici dans Jean 1er, dans leur Bible de la société de Témoins de Jéhovah, il dit, au commencement, la parole était, virgule, et la parole était avec Dieu. Là, ils écrivent Dieu correctement. Et la parole était un Dieu, avec un, article 1, article indéfini. Un Dieu avec le petit D, ça dit un faux Dieu. Alors, ça veut dire que le Dieu Tout-Puissant était accompagné d'un faux Dieu. Hein? Comme dit notre là, quel respect. Hein? Non? Quelle hardiesse. Quel manque de respect de dire que le Dieu Tout-Puissant avait été accompagné d'un faux Dieu. Je n'appelle pas ça Dieu, mais c'est un faux Dieu. Elle dit, dans la Bible, il déclare que le Créateur était accompagné d'un faux Dieu comme conseiller. Chers téléspectateurs, c'est lamentable ça. C'est lamentable. Regardez encore dans leur Bible, pour montrer qu'ils ne savent pas ce qu'ils disent vraiment. Quand ils parlent du Créateur, ils ne connaissent même pas qui est le Créateur. Regardez avec moi dans Matthieu 4, 7. Matthieu 4, 7. Gardez le 1 Corinthiens 8, 6, mais Matthieu 4, 7, c'est dans leur Bible. Je vais vous montrer ça. Matthieu 4, 7. Dans leur Bible, je vais lire pour vous. Matthieu 4, 7. Alors, Matthieu 4, 7, regardez bien. Dans leur Bible, je lis. Jésus lui dit, elle dit, Jésus s'adresse au serpent ancien, hein, à Satan, le diable. Jésus lui dit, il est encore écrit, tu ne dois pas mettre Jéhovah. Écoutez bien, ils ont osé mettre Jéhovah. Et tu ne dois pas mettre Jéhovah, ton Dieu, à l'épreuve. Chers téléspectateurs, en disant que tu ne dois pas mettre Jéhovah, ton Dieu, à l'épreuve. Mais écoutez bien, chers téléspectateurs, hein? C'est qui Satan est en train de tenter? Jéhovah Dieu qui n'est pas Jésus, a-t-il été sur terre? A-t-il été tenté par Satan le diable? Parce que le texte a dit, tu ne dois pas mettre Jéhovah ton Dieu à l'épreuve. Il reconnaît Jésus-Christ comme Jéhovah, en tant que Jéhovah. Hein? C'est une société, il a dit, c'est une organisation qui est l'auteur de la confusion elle-même. Hein? Parce qu'ils enseignent que de la confusion, regardez bien. Hein, tu ne dois pas mettre Jéhovah ton Dieu à l'épreuve. Alors, on est tenté de tenter qui?
Jésus-Christ est tenté de tenter par Satan le diable. Or, si Jésus, si le témoin de Jéhovah ont changé, ben, le texte a dit le Seigneur, hein, dans votre Bible, il dit le Seigneur Dieu. Hein, tu ne mettras pas le Seigneur ton Dieu à l'épreuve.